Je dois commencer à remercier le projet d'appui au développement durable du secteur agricole financé par l'Union européenne qui nous a fait l'honneur de prendre ARISA, le projet ARISA, pour étudier un peu l'état de nos structures déconcentrées, décentralisées au niveau du Bénin. Et en réalité, les réformes actuelles sont de nouvelles réformes et les structures ou le personnel en place au niveau de ces structures ne sont pas d'abord au niveau d'information possible pour permettre d'adresser ces réformes-là. Donc il est important de remettre à niveau toute cette structure du secteur agricole, aussi bien du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche que des autres acteurs qui travaillent avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et la cartographie que nous avons vue tout à l'heure nous édifie vraiment. Et les structures qui ont été installées il y a quelques moments, je veux parler des directions départementales de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui ont eu déjà à faire des formations de taille par rapport aux politiques agricoles, sont un peu plus en avance que les ATDA qui viennent de s'installer et qui doivent travailler sur la promotion des filières. Et cette promotion des filières met ensemble aussi bien les acteurs des communes, les acteurs des organisations de producteurs ou des interprofessions. Et ce qui a été observé, c'est que au niveau des ATDA, le niveau est moyen, mais au niveau des autres, des organisations de producteurs ou des interprofessions, il y a beaucoup de choses à faire. Mais dans tous les cas, toutes les structures déconcentrées, décentralisées, ont besoin d'un renforcement des capacités pour pouvoir adresser ces réformes qui sont en cours. Ils ont commencé par présenter des choses assez importantes. Ils ont des informations qu'ils ont données par rapport au personnel en place, par rapport aux interactions entre les différents acteurs, et je crois qu'il faut faire des priorités. Et aujourd'hui, nous allons travailler dans des groupes pour voir qu'est-ce qu'il faut adresser tout de suite, quels sont les renforcements des capacités qu'il faut faire tout de suite, parce que pour faire avancer l'économie, il faut faire la promotion des filières, et tout ce qui rentre dans la promotion des filières doit être mis en place tout de suite, déjà à partir de la programmation, du suivi et même planification, ça doit commencer tout de suite. Mais ensuite, tout ce qui est service clé doit être mis en place à travers les renforcements des capacités. Et on a le conseil agricole, on a le financement, on a les clusters, on doit travailler sur ces choses. Mais au niveau de la structuration aussi, c'est important de faire des renforcements de capacités dans ce sens. Je pense aussi à tout ce qui est investissement structurant au niveau du territoire que nous devons mettre en place en relation avec les communes et les organisations de producteurs. Merci beaucoup à l'Union européenne qui nous a aidés à faire cette étude. Et je crois que cet accompagnement va nous permettre de bien adresser les réformes qui sont en cours.